Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Sofiane, de Omar et de Younes. Aujourd'hui les gars, c'est match Ligue des Champions, match final Real Madrid contre Liverpool. Donc là les gars, ça va être une victoire de Liverpool, moi je dis. Lol. Il rigole. Donc la famille, aujourd'hui on va vous filmer notre vlog et on a un concept qui est plutôt pas mal. On va avoir 24 heures pour prendre un méga repas pour ce soir pour 10 euros et on va voir comment ça va se passer. D'ailleurs, je tiens à faire un petit message. Quand il y a des matchs comme ça, il y a encore trop de gens qui vont se diriger vers des paris sportifs pour essayer de parier, de gagner de l'argent, etc., etc. Et nous, justement, aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose. Pourquoi? Parce que regardez, en moyenne, les gens utilisent 10 euros pour parier dans les paris sportifs. Et nous, on va vous prouver qu'avec 10 euros que vous mettez dans vos paris sportifs, on peut faire des dingueries. Donc là, regardez. Un grec de canette, un tiramisu. Regardez ce qu'on va faire. Omar, c'est simple. T'es 10 euros. Sofiane, t'es 10 euros. Moi, mes 10 euros. Vous allez voir qu'avec 10 euros, on va faire des dingueries. C'est parti. Oh ouais, tiens, j'avais oublié. T'es 10 euros à toi aussi. Et les gars. On va le fracasser. On a une application de malade mental. On a une application qui s'appelle Omada. Commence pas à tricher, toi. Il est déjà sur Omada. Il fait déjà ses paris en secret. Sur Omada, écoutez, attendez. Sur Omada, on va pouvoir faire des paris pour les matchs, mais il n'y a pas d'argent. Ça veut dire que c'est incroyable. On a le plaisir des paris sans argent. Donc, Omar. Nous on est Liverpool. Ça se dit Liverpoolois. Liverpoolois. Parle pas avec eux, s'il te plaît. Parle pas avec eux. C'est des Madrilènes. Je sais pas si on va bien voir. Victoire du Real. Ils ont demandé est-ce qu'il allait avoir 3 buts ou plus dans la rencontre. J'ai dit non. Je pense qu'il va avoir moins de 3 buts. Benzema, est-ce qu'il va marquer au moins 2 buts. J'ai dit oui. Est-ce qu'on va gagner 2-0. Est-ce que Salah va marquer? Non. Donc à notre tour. Omar, s'il te plaît, mets-nous un 3-0 pour Liverpool. C'est un malade, Bismillah, c'est un malade. On va gagner 2-0, vous allez voir. Liverpool, mets-nous un 3-0, s'il te plaît. 3-0, vous êtes ambitieux, vous. Vous allez mettre 3 buts à Courtois, mais c'est des malades. Vraiment, vous êtes des ouf. 3 buts dans le temps réglementaire. Oui, il regarde le foot dans le noir. Benzema va marquer au moins 2 buts. Non, non, mais non. C'est Benzema, faut pas surestimer. C'est Benzema. Il a raison, il va mettre 2 buts, mais après. On est Liverpoolois. On est Liverpoolois, mais c'est Benzema. C'est vrai, c'est bête. Ah, genre, vous dites qu'il y aura 3 buts. Salah va marquer, oui. Oui. Même eux, ils sont pas sereins de leur victoire. Dégoulasse. On est serein, on est en dégoulasse. Dégoulasse. On confirme. On confirme, on confirme. Elle est belle, ça y est, on a pris nos paris. Monsieur, bon match. Tu veux savoir si t'as un. Viens, on leur serre la main. Tu veux savoir si t'as un. Match, monsieur. Ah, bien. Bon match. Bon match. Bon match. Donc, Younes, on arrive à la boulangerie. Je vais prendre un bon gros sandwich, une pâtisserie et une petite collation à boire. Rien que ça? Rien que ça. T'as 10 euros, Omar. C'est vrai. T'avais pas vu les pâtisseries qui y a à l'intérieur encore. T'es jamais dans cette boulangerie, non? Les gars. Viens voir, viens voir. Attends, deux minutes. Viens voir, tu vas péter. Yacine, tu en manges plus. Tu vas saliver. Ok, Sofiane. Des pâtisseries de malade mental. On va voir ça. Ça fume la boulangerie à côté de chez Nassi. Jure, à ce point-là. Oh là. Éclair au Nutella, éclair tranquille. En plus, on a 10 euros donc là il y a. Tu pars sur quoi, Omar? Moi je vais prendre la formule sandwich que j'ai déjà pris d'ailleurs. Bon, c'est incroyable. Il y a des coups de sandwich poulet et mental. Ouais. Là, tu réveilles mon démon. Là tu réveilles mon démon. Les gars, on est ennemis ce soir, mais on est amis dans la bouffe. Il n'y a pas des pâtisseries de ouf. Je sais où je viens pour mon prochain cheat meal. Alors ils sont pas mal les cheat meals. Ils sont pas mal. Bah je vais prendre ça, le mental poulet. En formule. Oui. Boisson je prends quoi? Évidemment, elle dit oui. Est-ce que tu peux prendre le virtuose? Boisson je vais prendre. Je sais pas. Fantastique. Omar, prends du rouge, aujourd'hui. Va prendre l'éclair au Nutella. Prendre l'éclair au Nutella. L'éclair au Nutella. Même ça, ça a pas l'air incroyable. Regarde les desserts, la qualité. Wow. Macaron, attends, mais Omar, s'il te reste un peu d'argent, tu pourrais peut-être prendre le dessert. Non, c'est mort, il reste 2 euros. Là, c'est. Ça, c'est peut-être elle peut lui faire à 2 euros. Elle peut lui faire à 2 euros. C'est une boulangerie. Demande-lui, ça peut. Demande-lui, ça peut te le faire à 2 euros. De quoi? La pâtisserie de malade là-bas. Une fois avec Ramdan, bien avant que ça commence la jet. On était venu lundi matin, lundi 16. Lundi 16, 16 combien? On est en mai. Lundi 16 mai, on est venu. On a pris un petit déjeuner ici. Bon, je connais qu'il venait de sortir du four. Je pense qu'il est sorti du four. Moi, les gars, la prochaine fois, je vais tester le grand beignet Nutella. T'as vu, chef? Je vais tout tester. Ça fait combien? 6,70? 6,70. Ça va, il te reste encore 3,30€. Merci, madame. C'est mental beurre, c'est grand bon.
beurre. Ouais. Dans un sandwich. Bah oui, genre bon beurre, tu connais pas. C'est pour ça que t'es malade avec ton colère. Même dans les sandwichs, tu mets du beurre. Bah oui, genre bon beurre, tu connais pas. C'est la base. Je peux rien dire. Jambon beurre, comme ça. Les madrilettes, vous êtes des clos-clos. Laisse-le parler. Moi, tu parles avec du beurre avec du dindin, qui mélange petit déjeuner goûté. Et tu parles avec moi. Et vous mangez quoi, vous? On va aller. Non, non, le truc, c'est sauce algérienne, samouraï, mayonnaise. Moi, je parle pas avec des gens qui mangent des épinards et des carottes. Laissez-moi tranquille. C'est vrai. Nous, on est là, on fait plaisir. La vie, c'est un plaid. C'est quoi ton repas? Des dattes. Quinoa. J'ai pas encore acheté, tu verras, j'ai pas. Un sandwich avec des avocats et du ketchup. Éclair au Nutella spéculoos. Allez, vas-y, goûte tout ça. T'as pas ce. Le bonheur. Je prends ta casquette. Il laisse une patte trop près. Il prend sa casquette tellement. Vous voyez, pas de paris sportif. Que du bonheur, pas de stress. Il a gardé ses 10 euros, il est bien, il mange. Il a parié sur un éclair. Et ça c'est le meilleur pari. Bon, venez, on va utiliser notre argent, nous. Il n'y a que lui. Il n'y a pas que toi. Je vais à la pharmacie, je vais aller m'acheter le bandage de Benzema. Mais t'as pas la main cassée, toi. Mais lui, il a plus la. Si, il a une grosse boule sur le petit doigt. On n'a pas besoin du bandage. Benzema numéro 9. Oh non, c'est fermé. Attends. Ah, c'est fermé. Faut aller plus vite. Faut aller plus vite pour que ça passe. Bon, écoute-moi, aujourd'hui, on joue en 4-4-2. Je prends un panier chariot. Tabasse. On va voir. Tiens, moi, ce que je te propose, c'est directement. Du coup, aujourd'hui, c'est un repas, mais il faut quand même ramener un peu de plaisir. Voilà. Nous, on est des sportifs, le Real, il mange équilibré, croyez pas. Hein. À la maison, j'ai du sirop 0%. On va faire deux bouteilles déjà. Deux bouteilles, ça c'est sûr. Ça, chacun sa petite bouteille pour sa boisson. Attends, est-ce que vous mettez votre gyro en commun? Oui, on est dans la maison. Oh là là, c'est la fête familiale. Ce soir, quand on va gagner la coupe, on va la soulever. C'est la fête familiale ou c'est pas la fête familiale? C'est vrai. Moi, je prends deux dates. Ça, pour courir vite sur le terrain, on en aura besoin. On va prendre des tomates cerises et ma 99 centimes. Je sais pas si je fais des pâtes. Ça c'est la boisson de la victoire, ça. Vous allez gagner. Ouais, man. Vous allez gagner quoi, le match? Ah, le trophée d'avoir joué, c'est bien. Non, pas le trouver d'avoir joué, le match en lui-même. Le trouver d'avoir joué, il est bien. Regarde, tu, déjà rien que pour commencer. Ce soir, il gagne le trophée d'avoir participé. Ton collègue, il a même pas de maillot du Real déjà pour commencer. Moi? De quoi tu parles? Ah bien. De quoi tu parles? Qu'un maillot de Liverpool ici. Moi, j'aimerais mettre ça. Qu'un maillot de Liverpool ici. Moi, j'aimerais mettre ça. Qu'un maillot de Liverpool ici. Lui, c'est un footy, je te dis ça. C'est le roi des footies. Jure, il y a de la Dan Hlel ici. Ah oui. Ah bien. Sofiane, en vrai, j'ai bien réfléchi. Benzema, est-ce qu'il mangerait ça, Benzema? Non. Il mangerait à la boucherie. Ouais. Il y a une boucherie à côté. On va le reposer. On va le reposer. On va à la boucherie. C'est maintenant payé. Vous avez pris quelques petites bricoles. Ouais. Là, on va à la boucherie directement prendre des escalopes. C'est beaucoup mieux. Oh là là. Oh, je suis dégoûté d'avoir utilisé mes 10 euros. Sofiane, il va faire ça comment? Aujourd'hui, alors, Liverpool. Real, Omar, tu dis rien. Tu dis rien. Tarche. Combien? Tu auras combien? Moi. À mon avis, 3-2. 3-2 pour le Real. Et tu dis rien. Magnifique. Bah, même les gens, machallah, ils ont raison. 3-2 pour le Real. Et toi, tu dis rien. Ah, mais ils sont bêtes de rien ce soir. Il a raison, monsieur. J'ai des frissons. Là, il m'a mis des frissons, regarde. Des frissons. J'imagine déjà en train de Benzema en train de faire ça. Vous voyez ça, là-bas, ça, c'est le rond-point de Nation. Voilà, maintenant, il leur appartient. Et que sa voix, et c'est une dinguerie. Et c'est n'importe quoi. Et c'est une dinguerie. Je me retrouve avec les supporters de Liverpool. Alors que moi là-bas, je suis en Madrid, les mes frères. Moi, pour moi, Madrid, ils vont gagner. Mais attendez, je crois que je vais m'écarter après, je vais parler, sinon ils vont me mêler. Là, moi, je me suis écarté un peu. Moi, je vais être à côté de la police, comme ça, si Ahedja a capté les crocs. Pronostic, Real gagnant. Real gagnant, fort, je sais pas c'est quoi le score, mais Real gagnant, et bon, c'est ma bonne heure. Ah, les gars, avant le match, je suis parti à la salle. Je suis vraiment trop stressé, donc moi ma meilleure solution pour arrêter de stresser, c'est de faire du sport. Ramdan, qui va gagner ce soir? Matt. Oui. Arrête, non mais commence pas frère, c'est Liverpool ce soir. C'est rien que je parle. Toi aussi t'es stressé, c'est pour ça que t'as été au sport? Tiens. C'est vrai que je parle avec toi. C'est vrai que je parle avec moi? Ah,
Avant de partir, si j'arrive à faire une muscle up, Liverpool il gagne, ok? Fort. Comment ça force? T'as le droit d'interférer. Dis Roland, tu t'interfères pas? Je le connais, je le connais. On n'a pas besoin de tricher, t'inquiète pas. Je le connais, hein. Allez, tu veux dire? Arrête ça, on te laisse après ça te faire. Non, mais tu vois, c'est ça son problème. Il a pris un ballon carrément. C'est rien un ballon en vrai. Mais si je tombe sur la tête. Mais non, tu les Liverpoolois ils sont forts. Arrête s'il te plaît. Non, je vais juste aller, moi je vais là-bas. Vite, 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 vite. Non, je suis psychologiquement, j'arriverai pas, il fait trop peur. Bon, vous avez perdu ce soir. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah moi je... Il reste 2h30 avant le match, moi je prépare mon repas, ça va être super rapide. J'ai pas très faim. On va prendre de la salade. Dis pas avant le match, il reste 2h30 avant la victoire de Liverpool. On va mettre du thon dedans. Super rapide quand vous n'avez pas le temps. Impeccable. Et ça. On va mettre toutes les tomates cerises dedans. Hop. Après je vais me faire des dates, des fruits. Car il se fait, il est en train de préparer de la viande. Avec des pâtes. Franchement, on va se faire des repas incroyables. Vous allez voir, après, on va déguster. Je vous présente ce que tu as pris pour 10 euros. Je vous présente le pâteau, burger, quinoa, vin rouge et des pastèques. Qu'est-ce que tu racontes ? Et en même temps, je me suis mis des buts de Benzema en Ligue des Champions. Ce soir, il va vous faire pareil. Ça, là, la pastèque, c'est incroyable. C'est une... Kinder Pingouille. Il te restait 2 euros. Ouais. Du coup, tu as 2 Kinder Pingouille, 1 euro le Kinder. En fait, il n'a pas capté que les 2 euros, je suis arrivé avec des Kinder. J'essaie de manger Jet. Il y a toujours des éléments qui me perturbent. C'est pas... T'es mal après. Attends, je peux essayer de faire un truc. Ouais, j'ai mangé du chocolat. Qui dit finale de Ligue des Champions, dit vrai plat. Qu'est-ce que nous prépare ce petit petite poêlée de légumes avec de la viande et des pâtes. Oh, j'aurais dû attendre, j'ai déjà fini mon assiette. Regardez, lui, c'était quoi? Présente le plateau. C'est des pâtes aux légumes avec du poulet et du céleri. Le salade, il a pas joué depuis je sais pas combien de temps, il va être cuit. Vinicius, Benzema, Kroos, Modric, le meilleur milieu du monde. Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que tu me racontes? Liverpool, ils vont gagner. 1 hour later. La famille, ça a commencé, c'est parti. Liverpool, ils vont exploser le Real. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes pas le match? Trop stressé, je regarde le match. En plus, on va voir sur Romana qui a raison. Ouais, donc moi je pense que Liverpool ils vont exploser le Real. C'est parti, on va voir en gros. Première mi-temps, vous avez de la chance. Il y a Courtois, on devait marquer. C'est trop, frère. On a 9 tirs. 9 tirs, 0 but. On a marqué un but. T'as de la chance, c'était hors jeu, frère. Benzema, il a marqué. 1-0. Vinicius. C'est une victoire du Real. Homme du match. Thibaut Courtois, mon pote. Mais non, franchement, bien joué. Liverpool, vous avez une équipe de malade mental. S'il n'y aurait pas Thibaut Courtois, franchement, vous aurez perdu. C'est vrai. Bon, en tout cas, la famille, c'est une vidéo pour vous dire que on remercie énormément Omada. Grâce à eux, on a pu faire un pari tout en s'amusant, sans dépenser de l'argent. Et comme quoi, on peut le faire entre potes. Et en plus, c'est ouvert aux mineurs. Donc ça, c'est super cool. Et n'oubliez pas une chose, les gars, c'est que les paris sportifs, c'est nocif. C'est pas bien. Vous perdez de l'argent, c'est quelque chose de malsain. Donc vous avez vu, pour Giro, on peut faire des dingueries. On peut faire des dingueries, on peut s'amuser. On a passé une journée incroyable avec Sofiane et tout. On les a laissés parce qu'il y avait encore de la famille là-bas. Mais on a passé une super bonne journée. Donc Omada est dans la description. Allez télécharger. Comme ça, vous pariez vous aussi avec vos potes pour 0 euros. Ça, c'est vraiment magnifique. Nous, on va vous laisser là. Ciao, à la Madrid.